Bonjour, bonsoir, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour des nouvelles vidéos. Aujourd'hui, on va réaliser une vidéo de biscuits au chocolat, des biscuits craquelés au chocolat. Alors, c'est une recette super simple, vous pouvez même la faire sans robot. Moi, j'ai décidé de la faire avec le Thermomix, mais vraiment, c'est une recette succulente. C'est une recette qu'on peut faire avec des enfants. Elle est vraiment super simple, comme je disais juste avant, et surtout, elle n'a aucun risque. Il ne faut pas mettre les doigts dans l'appareil ou quoi que ce soit. C'est vraiment un basique de la cuisine. C'est une recette, comme je les appelle, une recette à quatre mains. Donc, ceci dit, je vous remercie beaucoup de me suivre sur ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc pour ça, un grand merci. On y va pour la recette.
Donc voilà, la pâte a été vite faite au Thermomix. On a fait nos petites boules à la main ensuite. Donc entre le moment où on fait la pâte et on conçoit les boules, je vous l'indique sur la vidéo, mais il faut bien 2 heures de repos. Donc on va toujours faire une boule à la main. Chaque boule façonnée, on va la plonger dans le sucre, donc comme ceci, comme j'ai fait juste avant, mais c'était en accéléré. Et ensuite, on va la poser sur une plaque à four. Le four, bien le préchauffer à 170 degrés et bien espacer les biscuits qu'ils aient la place pour se développer. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Nos biscuits sont au four. Comme je le disais au tout début, c'est une recette vraiment très très simple. Vous pouvez la faire avec vos enfants en toute simplicité et vraiment en toute facilité. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. D'avance, merci pour vos petits pouces, pour vos likes, pour vous abonner à la chaîne. Je vous remercie beaucoup beaucoup parce que le nombre d'abonnés n'arrête pas d'augmenter tous les jours. Et donc, je vous dis déjà à bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye, bye bye, bisous, bisous.